2 ans déjà, et elle a mûri au fil des années, donc elle se décompose. Ce projet, c'est un projet sur le handicap plus largement, et donc ça se décompose en trois parties. La première partie, c'est une conférence avec Chartres Handisport Loisirs, qui est venue 1 heure dans une classe et qui a fait sa conférence, qui nous a permis de voir des films sur l'Association des paralysés de France. Ensuite, on a eu une deuxième action, c'était en tennis de table. Les élèves se créaient un handicap fictif et donc ils faisaient du tennis de table avec une main dans le dos, avec les pieds dans un cercle pour ne pas se déplacer, des choses comme ça. Donc ils se sont rendus compte un peu des difficultés. Et puis le troisième volet, c'était du handisport en basket, en fauteuil. Donc on a fait venir on est allé chercher d'ailleurs plutôt les fauteuils à Dreux, et puis les élèves ont travaillé 1 heure dans les fauteuils en faisant du basket. Et donc la clôture, c'est la course, ça c'est nouveau, c'est de cette année, et on est très contents, ça s'est bien passé je pense. Et donc on a eu nos 2 associations partenaires qui sont venues, donc l'une avec la Géolette, et puis l'autre association est venue nous soutenir dans le projet, et on a remis nos chèques donc tout à l'heure à nos 2 associations. C'est un grand moment de solidarité pour les personnes handicapées qui en ont le besoin. On doit tous courir, qu'on puisse ou non, on peut marcher, on peut trottiner. Et c'est de donner le meilleur de soi-même pour les personnes qui en ont besoin. Et tu penses que ça peut faire du bien à chaque personne ? Oui, courir un peu, transpirer, ça fait toujours besoin, c'est toujours du bien au corps. Pour ceux qui ne le sont pas, ça fait l'exercice, et pour ceux qui le sont, ça fait un renfort musculaire et corporel. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de recommencer l'année prochaine pour soutenir cette association ? Oui, bien sûr, que ça reste le plus longtemps possible pour que ça reste un moment inoubliable au lycée Fulbert. Smiling, roses blooming in her cheeks, in a quiet kind of litany. She exacted on the feet, and then she threw into the arms of disgrace and then repelled. Now she's falling to her knees, which you couldn't ever tell. And then she asked me how we got here. I told her I don't know. And if you keep on asking, I'll just keep saying so. This isn't what I wanted. It isn't what you need. Let them keep on talking.
suis ravie de la participation des élèves de seconde aujourd'hui qui se sont bien mobilisés. Alors nous avions avant la course 1300 euros de promesses de dons. Donc d'ici jeudi, nous ferons les comptes pour voir le montant exact qui sera communiqué sur le site. Cet argent nous servira à acheter du matériel pour nos deux associations partenaires, Chartres Handisport et Loisirs et l'Alliance de Dreux Basket, section Handisport. Et je voulais remercier tous ceux qui nous ont soutenus, surtout notre proviseur, M. Hugo, qui nous a soutenus depuis le début du projet. Remercier Mme Janvier pour son aide logistique, M. Thomasiak pour l'équipe reportage. Et bien sûr, ma collègue Natacha et mon autre collègue, Mme Clavard, Corinne, l'infirmière, Natacha Gorka, professeure de SVT, sans qui on n'aurait pas pu faire ce projet. Et voilà, c'est un gros projet, on espère le refaire l'an prochain. Merci également à tous les parents et tous les grands-parents, voisins, familles des élèves de seconde qui ont parrainé leurs enfants et nous ont permis de récolter ces fonds pour aider nos associations partenaires. Donc un grand merci à tous d'avoir joué le jeu. Voilà, merci à tous. She was smiling, roses blooming in her cheeks. In a quiet kind of litany, she accepted some defeat. And then she drove into the arms of disgrace and then repelled. Now she's falling.